Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous me suivez. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons Dieu qui nous donne 7 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 26 mai 2024. C'est bel et bien le prophète Jean-Luc Amani devant vous. Je vais commencer par te demander de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification et de partager ces messages. Abonne-toi à la chaîne et fais que tu puisses abonner et amener une autre personne à s'abonner. Je dis merci à tous celui qui ne cesse de pouvoir s'abonner et de souscrire à ces chaînes. Par la même occasion, je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais te parler de la part du Seigneur. Je vais parler de presque 3 ou 4 pays. Je vais parler du Maroc, je vais parler de la Russie, je vais parler de l'Ukraine, mais tout tourne tout autour de la RDC. Prions. Seigneur, vous qui êtes le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous n'avez jamais changé et vous ne changerez point. Permets que ces messages arrivent à destination et que le peuple le reçoive, qu'il écoute. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Je suis dans les livres de Ézéchiel, chapitre 2. Je vais lire juste 2 versets. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 1er à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'y adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Je suis dans les livres du prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel est en train de parler. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et fils de l'homme, parle. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de s'adresser à son prophète. Et il est en train de s'adresser à son prophète puisque, étant un envoyé, il veut l'envoyer. Étant un envoyé, il veut lui parler. Pour que ce dernier aille aussi parler aux concernés. Pour que ce dernier aille communiquer le message à qui ce message sera reçu et arrivera. Alors il m'a dit, il se tient debout, c'est-à-dire, prends ta force, prends tes énergies et dis ce que le Seigneur est en train de te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, mon message ou mes messages du jour, il serait mieux que ceux qui sont chargés du domaine de la sécurité du pays, de l'analyse de situation, qu'ils écoutent ces messages et qu'ils puissent donner au chef des conseils. Ou bien que le chef lui-même, le président, s'il peut avoir la facilité ou s'il peut écouter ceci, qu'il écoute ce que l'Esprit est en train de dire. J'ai 3 messages. Vous savez, on a toujours dit qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et cette guerre dans laquelle nous sommes, de la RDC, personne ne sait ni quand ni comment ça pourra finir. Et, sauf Dieu lui-même qui connaît le temps qu'il a fixé, je crois que personne ne sortira gagnant de cette guerre. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Je regarde avec les yeux humains, je me dis que personne ne sortira gagnant de cette guerre. Et à la longue, les gens finiront seulement, comme on sait que toute guerre finit par les négociations, il ne finit pas par les armes. J'ai vu quelque chose 2 fois. Et la chose que j'ai vue 2 fois, la voici. Je vois les gouvernements congolais qui amènent de nouveaux troupes dans les conflits de la RDC. Et ces troupes
Je vois une délégation congolaise dans les domaines militaires. Ils se retrouvent au Maroc. Et après, je vois des troupes marocaines au Congo. Cette guerre, il n'y a que l'Éternel qui sait comment ça va aller. On a d'abord vu l'EAC, on a vu la SADC, on a entendu les mercenaires là-bas, on a entendu les mercenaires de l'autre côté. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, il y a de nouveaux troupes qui vont entrer en jeu, qui sont les troupes marocaines. J'ai toujours annoncé des choses comme ça. C'est comme ça que je vous avais dit, je vois la tenue des FARDC changer. C'est comme ça que je vous avais dit, je vois des militaires aller en Égypte. À l'époque, j'étais en train de donner mes conseils, mes propositions, que vous changez les tenues, l'Éternel dit que c'est bon, mais il y a autre chose à faire. Si au moins on m'avait compris, et si on avait écouté ce que Dieu avait dit, ça allait être mieux. Qu'il t'écoute, parle. Qu'il ne t'écoute pas, parle, fils de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds. Je vous dis, je vois le Maroc entrer en guerre. Il va aussi être invité. Mais je ne fais pas d'analyse sur ce point. Est-ce qu'il va venir comme instructeur? Je ne sais pas. Va-t-il venir pour aller au front? Je ne sais pas. Là, nous commençons à entrer dans une autre phase. C'est maintenant le pays du Maghreb. C'est maintenant le pays du monde arabe. C'est compliqué. Que Dieu nous en épargne et que Dieu nous fasse grâce. Je vois une autre chose. L'Esprit de Dieu m'a prise. Après ça, quelques temps après, je vois l'Esprit de Dieu me prendre. Moko, Moutunyo Soroya Nakati Aroyeb Sabino Kalingi Bino, Alinginde Obozanango, Boye Baka. Monsieur le Président, cette décision, elle risque de coûter à ta vie. Qu'elle soit bonne. Moi, je vais parler et tout le monde va me dire, mais toi, Kamani, tu es fou. Tu ne sais pas que c'est l'endroit où tout le monde va maintenant. C'est comme si moi, je suis en train de vous dire de ne pas aller à la source. L'Esprit de Dieu me prend. Et il me montre une vaste étendue d'eau. Comme une mer, comme un océan. Mais il ne me laisse pas au-dessus. Il me dit, regarde dans la profondeur des eaux. Je regarde dans la profondeur des eaux et je vois quelque chose comme un aquarium. Et cet aquarium, elle était divisée en deux. Vous voyez seulement comme les aquariums sont, vous regardez au travers comme si c'était comme le vitre. Je vois à la droite un président qui est habillé en veste et aussi il a un tenis des officiers militaires avec un kepso. Et de l'autre côté, c'est vide, mais je vois l'Esprit de Dieu qui me dit, commence à faire ceci. L'Éternel ne m'a pas parlé de choses superficielles. Il m'a amené dans la profondeur. Il me fait voir l'étendue des eaux. Nzamba meminga azola kisanga. Nabisibino message à Liboso. Namoni bakonzi ya mboka, namoni président Nabiso. Bakiko so ba contact bakiko benga ba marocain. Amikoleza Liboso, président Félix akozwa. Soki asia bandi soki akozwa, bokomona akozwa ba contact na ba marocain. Akeye la biso pe ba marocain. Tobimi tokomi ko kende siko na monde arabe. Tokomi ko kende Akamboyo, Nzambe kaka. Tokomi kokende. Et mutu na mutu akoya pe na influence na ye. Mutu na mutu pe akoya na bosenga na ye.
mutuna mutwa koya pe na état de besoin na ye kongo zo bakisa ka ba nyongo na ba problème ba koyela pe biso ba facture musuloko la afdel oyo bana ya bana ya bana ya bana ya bana na biso ba kokaka kufuta te soki okyo za la malam to pesa mokonzi conseil soki pe aroyo ka ye kaka soki akoyo ka te ye kaka. Na moni balakisinga mai munene boy lokole bale. Mais mulimo na nzambe ememinga na se ya mai wana. Et puis na moni mboka na moni lokola na se ya mai ikabwani biteni mibale eza lokola aquarium. Parti oyo moko na moni mukonzi moko alati bilamba ya basoda. Et puis alati teni likolo alati d'abord veste et puis alati teni ya basoda aza pe na kepso. Yaba soda. Et puis, on est parti, moussousou, oyo. Ndeza vide. Mais, on est moutou, azo bimisa, batou kotoyo, azo lekisa bango boye. Mina ona roya mungu, inani chukua, inani beba. Inani onesha majima, maku. Inani onesha maji kubwa hivi. Badai, inani elezia hautabaki, apena ningiza chini ya iyo maji. Minaona, chini ya iyo maji, kitu sawa fasi inagabulika vipande viwili. Kipande ya kwanza ilikuwa kiongozi moya kama raisi anavala nguo ya kiraia na baadaye juu anatia combat na hiyo combat anavala pia chapeau ya majeshi. Kisha mimi naona roho ya Mungu iko inanionyesha mtu iko na kamata watu huko na watosha na wabeba. Mbele ya pale mimi nasema mimi naona musiku zenye ziko mbele. Rais wa Kongo anaenda zungumuza na Morocco, anaomba jeshi kutoka Morocco ili tupiganie Kongo. Bwana Yesu atuwe razi. Alleluia. Qu'est-ce que je vis? Je vois l'eau qui est le symbole du monde. Mais une partie de l'eau qui était l'image de la RDC. Et le Seigneur m'amène dans la profondeur, ce qui n'est pas superficiel, ce qui est caché. Je vois à la droite un président. C'était le président russe, Vladimir Poutine. Je le vois en tenue civile, en veste, qui est le symbole de l'autorité présidentielle, mais aussi est le symbole de son pouvoir. Mais au-delà de ça, il a aussi l'autorité et la puissance militaire. Mais pendant ce temps, l'Éternel me fait voir une main puissante qui est en train de sortir les Congolais qui étaient comme dans un aquarium du côté de la Russie et les faire passer en train de les sauver de main des Russes. Monsieur le Président, personne n'aime la RDC. Ne partez pas en Russie, ce n'est pas la solution. Tout le monde va dire, mais on est en train de fuir vers la Russie. Comment, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'Éternel vous dit aujourd'hui, si vous allez en Russie et chercher le secours des Russes, vous allez vous retrouver la population congolaise ou le peuple congolais sera comme dans une cage. Je ne sais pas comment, mais l'Éternel commence à vous dire, ne faites pas cette erreur-là. Tout le monde peut dire, mais non, c'est la Russie, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas la Russie. Le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, ce n'est pas les États-Unis. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes. L'Esprit de l'Éternel me montre que les Congolais sont enfermés comme dans une cage. Et je vois l'autorité russe. Et c'est maintenant la main de Dieu qui est en train de libérer. Je vois, on est en train de sortir les Congolais qui étaient comme dans cette boîte-là, comme dans ce scaphandre, comme dans un aquarium. Et libérés par... Je vois une main de Dieu qui est en train de sortir. Je vois et les Congolais, et les profanes, et les hommes normaux. C'est pour dire que vous pouvez vous attendre des choses qui sont au-dessus. Mais ce qui est caché, vous ne le savez pas. Et Dieu nous amène dans la profondeur pour voir
c'est que les esprits, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Ils peuvent venir comme ils viennent et ils vont vous dire. Mais ceux qui vont se passer dans la profondeur, il n'y a que Dieu qui connaît. La Russie n'est pas une solution pour la RDC. Croyez-moi ou pas, moi je suis un prophète. Je dis toujours comme ça, les gens vont m'insulter. En 2017, j'avais dit je vois la guerre de la Russie en Europe, en 2017. En 2015, j'avais dit je vois, Dieu me dit que le président, si vous allez sur mon Facebook, Vladimir, vous cherchez depuis 2015, 2014, j'avais dit ceci à cette époque. Le président, Dieu me dit que le président du Burundi, s'il ne sort pas du pouvoir maintenant, bien qu'il a déjà reçu les messages, il ne veut pas écouter. Il sortira là-bas en cercueil. Cela est arrivé, je pense, en 2017. Non, cela est arrivé ici à l'époque de la COVID. Quand Dieu parle, écoutez-les. Nous, on dit toujours des histoires. Je l'avais dit, priez pour Mangoufouli. Je l'avais dit, Alpha Condé, si c'est Alpha Condé, si c'est Condé, le président qui a été renversé par Doumbouya. C'est comme ça qu'on dit toujours des choses, mais les gens nous prennent à la légère. Et les gens ne croient pas. Ce n'est pas grave. Vous, vous marchez par la vie, nous marchons par la foi et par l'esprit. Nzambazo la Kisanga. Et Balewana et za Congo. Mais Nzambazo la Kisanga ma bomba mina se amai. Que mon konzi on a bisibino na monaki kotoyo et za Poutine. Ne na monaki. A lati bilamba na e ya ba soda na bilamba ya ba civil. Et ngiko la Kisanga zo renfermé à la fois pouvoir, l'autorité civile et l'autorité militaire. Mais nzo katangu Nzambazo la Kisanga kote wana. Le boko, si qu'on a moni un serviteur de Dieu, azo bimisabatu. Pour nous libérer, bango na maboko, ya baris. Et l'ingi koloba kena mikoloza liboso. Kongwe ko kime la risi, po baluka solution na katina ba problème bazarango. Mais oye koloba malikolo, eza moussous. Oye bango bako sala na kuku, na kobatama. Et ko mema peuple na biso, na makambu ya mabe. Pour nous bima wana et qu'on senga loboko ya nzambe. Anemo nzambe lingi koloba. Risi eza solution te pour na problème na biso. Ba pays mususu bazo ki dekuna ba bisi bino toke boy. Mutu na ebi awa batu bako finga bako loba lo yo kamani yo se kozalaka. Oza noka contre batu nyoso. Na nga naza na lobaka o nzambe ti ninga na ebi sabino. Soki toko yo kato yo ki soki toko yo kate. Bokeba, solution n'a bise zana récité. Monsieur le président, nga nazoba, ngai na koko bangila nde yo. Biso to zana biso ba peuple. Na koko bangila yo. Na kote ya yo histoire a Congo te po ye bien. Na kote ya yo te batu bakenda kuna nyo ndenge nini esukaka. Mungu ananionesha ile bahari ni Congo. Kisha ananionesha namna gani ule kiongozi ule raisi, ilikuwa ni raisi gani ilikuwa Putin. Ambaye vitu watazungumuza na Kongo kijuu. Yama siku zenye ziko mbele, Kongo itaenda kusogelea Urusi ya batafute gisi watazungumuza. Na pengine, atasema tunakia wasaidia mko bandugu yetu, tunajua shida mko na tatizo mko na. Lakini ambaye inafichama ambaye wa kongomani ya wajuu. Ndiyo yu tatufanya kama tutakuwa wafungwa. Na ili tutoke katika hiyo kifungo itaomba mkono wa Bwana. Hakuna naye tupenda, wote wanatutamani. Jibu yetu haiko kwa Urusi, haiko Marekani, haiko kwa nani, haiko kwa nani. Jibu itatoka kwa aliye mbingu, aliyeumba mbingu na nchi. Lakini sisi kwanza, sisi peke. Et après que ces choses soient passées, je vois une réunion. Ça, ce message, je l'ai vu avec insistance plus de deux fois. Comme j'ai vu le message du Maroc plus de deux fois. Je vois une réunion au niveau international. Ça, c'est le troisième message. Et cette réunion-là,
Je vois un incident entre l'Ukraine et la RDC. Un incident diplomatique. Namoni incident diplomatique entre Congo et l'Ukraine. Naona mizozano ya kisiasa katikati ya Ukraine na Congo. Niongeze na lugha gani jumusikie? Aha. Je vois une réunion au niveau international. Mais dans cette réunion, les gens étaient en train de parler de leurs problèmes et ils étaient en train de solliciter de l'aide sur tous les pays qui sont en conflit, comme s'ils étaient en train de demander de l'assistance. Et je vois la RDC qui expose ses problèmes. Je vois aussi l'Ukraine qui expose ses problèmes. Mais ce que je ne comprends pas, je ne sais pas comment l'Ukraine va traiter la RDC d'être un chien qui est en train de lâcher un os de la part de la Russie. L'expression que j'ai vu qu'ils ont utilisée, ils disent la RDC se comporte comme un chien qui est en train d'aboyer et demander de l'os à la Russie. Puisque la RDC est partie solliciter de l'aide à la Russie. Ils ont utilisé l'expression le chien. Cela était devenu une insulte pour la RDC et il y a eu un clash entre les deux pays sur le point diplomatique. Puisque la RDC étant partenaire ou bien est s'approchant à la Russie et à l'Ukraine, et l'Ukraine ne trouvera pas bien que la RDC aille solliciter des armes, je ne sais pas comment là-bas. Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vois cet incident diplomatique et je ne sais pas comment l'éviter. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je vous explique ce que je veux. Namoni Kobendana na kati la politique entre Ukraine na RDC. Ezala yindeni. Réunion mokozaki libanda soki ezaki réunion ndeni ni. Ba pays yozana ba problème zako kende ko solo la. Soki ezali na conseil de sécurité, soki pezali na poto, soki wapi. Mais namoni Ukraine et il répondre biso mabe. Po RDC peza ko présenter ba problème na eko senga soki ko senga minduki, ko senga boy na boy na boy. Mais Ukraine et lobby na biso que RDC ezalo ko lamboa. Oya zo kende ko lembo la mukua. Na makolo arisi. Donc azo la kisa biso azo comparer biso ekran azo comparer biso na bambo et la kisipe moni si nenge mbo atambolaka. C'est ça l'expression on ayoka ki ba ekran. Délégué ce qui ministre affaires étrangères ce qui nani ekran wana lobaki et créer confusion insulte wana. Na kati ya relation diplomatique entre Ukraine na RDC. A ébité. Ce qui est évité, mais nous sommes puisque la RDC et qui n'a pas été l'issoungi dans la Russie. Ou nous avons dit que nous avons une solution. Et ceux qui ont été créés, nous avons été créés comme Kanga, comme Kotisanase, comme Kanga Mimoko, nous avons été créés comme Kanga Mimoko, nous avons été créés comme Kanga Mimoko. Nous avons été créés comme Ukraine. Na Congo. Kulikuwa mazungumzo moja ya nje, sijui ilikuwa mazungumzo ya nini? Watu walikuwa wanazungumza juu ya siasa. Kila watu wako nasemea shida zao, kulomba msaada ya silaha na vingine. Kisha nikasikia kiongozi mmoja wa Ukraine iko nasema Congo tuko kama mbwa. Tuko naenda kulamba mfupa kwa miguu ya Warusia. Ile neno ikafanya kutleta mzozano kabisa katikati ya Congo na Ukraine. Lakini naomba Mungu ayaepushe. Yalitokana na gisi Congo ilienda kutafuta msaada wa kivita Rusia. Ukraine ikisema vile. Ni kusema Marekani ndio namtia ile maneno mkinywa. Si l'Ukraine peut dire ça, c'est que c'est les États-Unis qui va lui mettre cette parole dans la bouche. Les États-Unis peut-être vont pas vouloir le dire. Mais ils vont laisser leur garçon de course qui est l'Ukraine de nous cracher sur le visage. Et ils ne seront pas en train de s'adresser sur tout le monde. Ils seront en train de s'adresser aux gens qui ont pris ces décisions-là.
si vous pouvez comprendre, évitez certaines choses. Que mon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de venir prier avec nous au mois d'août, ici en Suède, à la croisière. Nous avons la croisière du 14 au 17 août 2024. Ne manquez pas aussi de nous assister, puisque nous scolarisons des enfants en RDC. Que l'Éternel des armées vous bénisse et que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Si vous nous donnez un 5 euros, un 10 euros, nous scolarisons plus de 350 élèves. Que la faveur de l'Éternel soit avec vous tous. Je vous laisse sous la protection de Dieu. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un commentaire positif. Et que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre ses saintes mains. Que ce message soit un message qui est communiqué avec grâce et avec amour. Et que ta puissance accompagne ce qui est dit ici au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom.